l'école, c'est bientôt fini, plus que quelques examens. Et ce sont les vacances, les stages, le farniente. Alors, Gonaël, toi tu pars pendant un mois en Inde, mais je me suis demandé ce que t'allais faire avec ton affreux petit chat. Bah Christophe, on s'était arrangé. Je te laisse Gribouille et puis en plus je suis sûre qu'il s'entendra très bien avec ton chien. Attends, Gribouille, Fripouille, il s'entendra sûrement pas avec Cookies, mon superbe chien. Par contre, je crois que j'ai une petite idée pour toi. Il existe des hôtels pour les chats. Cléa, c'est une copine de Gribouille, est déjà allée faire un tour dans un de ces hôtels du côté de Hanu. Cléa, le chat de Sophie du RTC Télé Liège ? Ben ouais. Voilà Cléa, c'est mon chat, et quand je pars en vacances, eh ben elle va à l'hôtel. Et c'est ici. Bonjour madame, c'est bien ici l'hôtel pour les chats ? Tout à fait, oui. Bien on peut vous suivre ? Oui, oui, je vous en prie, venez voir. Et voilà le royaume des chats. Allez, poupousse, en avant, on peut pas sortir. Emplacement séparé pour chaque pensionnaire avec litière, eau et croquettes à volonté, Cléa va gagner ses nouveaux quartiers. Le temps de prendre ses marques et de rencontrer les copains des vacances. C'est Linda, une véritable amoureuse des chats, qui s'occupe de tout. À l'hôtel pour chats, les chats sont les rois. Les chats sont en effet les rois. En fait, je respecte beaucoup leur caractère et je m'adapte à leur personnalité. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est un hôtel 5 étoiles, en rigolant, oui, parce que en fait, on a quand même essayé de mettre une installation assez moderne et surtout que j'ouvre les cages pour les chats pour qu'ils puissent courir en liberté. Une fois acclimatée à son nouvel environnement, Cléa va pouvoir enfin profiter de son séjour. Des jeux et des jouets à disposition pour tous, des espaces pour se défouler en toute liberté, une radio pour les soirées disco et une belle terrasse pour se dorer au soleil en profitant de la vue imprenable sur la campagne. C'est pas mal du tout comme auberge ici. En tout cas, Cléa n'a pas l'air traumatisée du tout. Tout a été en effet pensé chat, donc il faut se mettre à la place du chat pour voir comment est-ce que je peux en fait m'adapter le plus à la situation, à son esprit, pour qu'il se sente le plus à l'aise possible dans la chatterie ici pendant les vacances. Ben voilà, on voit que Cléa est en bonne main et on peut partir en vacances, le cœur tranquille. Au revoir, bonnes vacances! Si j'ai bien compris, tout le monde part en vacances, sauf...